Yo la poiscaille! Kikou les vendrios! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse, un concept qui marche plutôt bien sur la chaîne en ce moment. Pas du tout. On se retrouve avec. Hansberg l'américain. S'il vous plaît, présentez-moi un peu. Hansberg l'américain qui a fait un monumental, je dis bien, podcast sur les chaussettes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse de la meilleure vidéo de Norman qui s'appelle Faire à manger. Ah la France, le pays de la gastronomie, avec ses saveurs, ses produits, ses vignes. Et surtout son savoir-faire culinaire qui a révélé les plus grands chefs étoilés. On imagine que les habitants de ce terroir du Ratatouille Roux doivent être à la hauteur de cette réputation. Vous savez que le rat de Ratatouille s'appelle en fait Rémi. Ah, oui, c'est fait. Al dente. Faux. Je sais pas vous, mais moi, quand c'est poisson pané, la panure, elle reste sur la poêle. Trop moi. Bah, à chaque fois que j'en mange chez toi, c'est... Mais voilà, ouais, exactement pareil. Attends, j'ai combien de poêles j'ai jeté depuis le début de l'année? Dans une petite poubelle, en plus. Ça se compte en cinquantaine, hein. Ça m'est déjà arrivé deux fois. C'est pas dans mes gènes. Après, quand il y a des invités, il y a quand même un truc que je connais, c'est Deliveroo et Uber Eats. Évidemment. Du coup, t'es comme un con à essayer les petites techniques. La technique du bras, là. Non, c'est vrai. Surtout. Retourner la viande et rallumer le feu. Parce que tout, il faut attendre un peu que ça cuise. Je me casse, faire une autre activité. C'est excellent. Retour à temps pour la cuisson. Bon, là, ça cuit. Ça va durer environ 10 minutes. Ça, c'est trop moi. Sauf que j'ai pas de PS4. La fumée du jeu, elle est trop bien faite là. Il y a une mise à jour ou... Ah, c'est excellent, sa maison, elle a explosé. L'air, en fait, il y avait de la fumée, il croyait que c'était le jeu. Ta maison sont imprégnées de l'odeur. C'est chez toi quand on est rentré. C'est quand on est rentré tout à l'heure. Ça sentait la semoule. Excellent, abonnez-vous. Faut du lait. Bon, j'en ai pas, mais c'est bon. La levure. Je sens que la chute va être monumentale. Et le gâteau au chocolat. Ah, c'est trop moi quand je cache dans la nourriture. Quand je cache la nourriture pour la donner au SDF. On lésine pas sur l'huile, le sucre on y va, évidemment le beurre. Ah, je te mets. Eh, c'est pas trop hipster le gars. Non, il a pas de beurre, c'est le gars. Oh, et puis un peu d'huile encore. Oh, on est gourmand, hein, on est comme ça. Ah, faut savoir manger, hein. Tu laisses un peu mijoter à feu doux et on obtient. Bah, une ordonnance pour un séjour à l'hôpital. Évidemment, en fait, il fait cuire un truc et là, ça y a un peu. C'est parce qu'en fait, il va avoir du. Il met trop de sucre et quand t'as trop de sucre, tu vas à l'hôpital. Parfois, des amis me demandent de leur faire un plat typique de ma région natale, c'est-à-dire le nord de la France, enfin les Hauts-de-France. Il va sûrement nous parler de la carbonade, qui est un excellent plat des Hauts-de-France. Alors, Dylan, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Bah, j'étais venu faire des trucs de frites là. De schnorr. C'est comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, vous trouvez pas? Ouais. J'ai tout. Ah, d'accord, mais au niveau du plat. Et c'est ratatouille. C'est Rémi. Ah oui, c'est Rémi. Avant que vous dégustiez, je vous explique quand même. Hein. Voilà, je vous ai fait un chutney de mangue braisée revenu. Vous trouvez ça drôle? Oui. Au fait, si vous avez des restes et que vous savez pas quoi en faire, bah, au lieu de les jeter et de gaspiller, il existe plein d'applications anti-gaspillage alimentaire. Ah, Too Good To Go. Moi, je vais souvent. Alors oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Mais n'hésitez pas à aller sur Too Good To Go pour éviter toute forme de gaspillage. C'est le message possible, cette vidéo. Je suis pas le seul au monde à pas savoir cuisiner. Et ça me rassure. Donc après tout, je sais pas comment conclure. Allez. Ciao. On applaudit aussi, elle est excellente la vidéo. Bon, bah on en pense quoi cette vidéo Norman? J'ai trouvé ça très marrant, très futile et vraiment des petites blagues en fait que je rigole en fait tous les jours. C'est ouais exactement pareil, c'est un humour adapté à tout le monde, pas du tout pour les enfants je trouve. Vraiment, il y a que les adultes qui peuvent vraiment comprendre le sens. Parce que ouais, les enfants, ils ne font pas cuisiner. Donc bah c'est oui, ça. En fait, moi, Norman, c'est quelqu'un que je suis depuis maintenant 7 ans, un truc comme ça. Et il a toujours réussi à s'adapter, à évoluer en fonction des gens, de son humour, etc. Je trouve ça incroyable comme vidéo et je l'ai partagé avec vous. Et je n'avais pas encore vu en plus la vidéo. Ouais, voilà. On l'a découvert en même temps. Franchement, j'aimerais bien partager plus d'humour comme ça tout le temps dans ma vie. Moi, en fait, dans ma vie, j'ai jamais autant rigolé que là. Ouais. Sur une échelle de rire. La 17. 17 sur 10, j'avais envie de dire. Seulement? Putain, moi c'est beaucoup plus, mec. 50 sur 5, tu vois. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Hansberg l'américain, à notre chaîne, la chaîne Vendry. Chaîne qui est importante. Et surtout, s'il te plaît. Et surtout, à la chaîne de Norman fait des vidéos. Ciao tout le monde. Ciao les Vendryous. Peace.